Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier vidéo d'introduction à Facebook pour les entreprises. Je suis Simon de Medialogue et je serai votre hôte pour cette série de vidéos, donc qui est pour vous apprendre à gérer de manière sommaire votre Facebook pour votre entreprise. La première chose à comprendre, c'est l'importance que Facebook peut avoir pour votre entreprise à long terme. Le but, c'est vraiment de développer un dialogue avec les gens qui s'intéressent à vos produits et vos services. Facebook, c'est de loin le plus gros réseau social en ce moment, plus de 1,5 milliard d'utilisateurs. Au Canada, on a 14 millions d'utilisateurs qui se connectent quotidiennement sur leur page Facebook. C'est énorme. Et encore plus près de nous, ce qui nous intéresse particulièrement au Québec, plus de 60% des adultes utilisent Facebook. Donc, c'est pas juste une affaire de jeunes, comme certains pourraient vouloir le croire. Les réseaux sociaux, c'est une affaire qui s'adresse à la société en général. Et de tous les adultes, il y en a une très grande partie, donc à peu près 80-85%, qui suivent une entreprise ou un organisme sur Facebook. Par contre, il y a seulement 15% des entreprises québécoises qui sont présentes sur Facebook. C'est très peu. Et il y en a beaucoup qui semblent pas encore comprendre l'intérêt de le faire. Moi, je vous encourage à commencer dès maintenant parce que Facebook, c'est quelque chose qui va être intéressant pour votre entreprise à long terme. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses pour attendre plus tard. C'est un travail constant et quand même lent. Mais c'est le bon moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo-là, de toute manière, vous êtes déjà sur la bonne direction. Les gens suivent principalement les entreprises pour recevoir des rabais sur les produits et services, pour obtenir les dernières informations sur les produits et services, pour du service à la clientèle ou tout simplement pour le contenu intéressant. Et ça, tout ça, on va y revenir dans les prochaines vidéos. Là, je vais juste vous donner un peu l'ensemble des raisons pour lesquelles les gens vont être intéressés à suivre votre entreprise sur Facebook. La dernière chose que je voudrais vous dire dans cette vidéo-là, regardez un peu ce que les spécialistes en marketing pensent des efforts sur Facebook. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart, donc plus de 75% des spécialistes en marketing jugent que Facebook a amélioré soit leur service à la clientèle ou soit leur vente, donc de leur produit ou de leur service. Par contre, ça, c'est à partir du moment où la personne, ou du moins la compagnie, passe 6 heures par semaine à gérer sa page Facebook. Donc, un peu plus d'une heure par jour si vous travaillez 5 jours par semaine. Ça peut sembler beaucoup. Je vous dis pas que vous allez le faire au début, mais c'est un chiffre à garder en tête pour commencer à avoir des résultats. L'autre chiffre pour commencer à avoir des résultats, et je veux pas vous décourager, mais on note que les résultats les plus tangibles arrivent après 3 ans d'utilisation. C'est une des raisons pour commencer maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer avant 3 ans. Donc, c'est pas une raison d'abandonner avant même d'avoir commencé. C'est quelque chose qui se fait graduellement. Par contre, les chiffres à retenir, 6 heures par semaine et une période de 3 ans pour commencer à avoir des résultats qui sont tangibles. Mais croyez-moi, c'est quelque chose qui vaut la peine et c'est quelque chose qui va être très important et très intéressant pour votre entreprise. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour le deuxième vidéo de cette série Introduction à Facebook pour les entreprises.